Bienvenue en Nissan. Bon, aujourd'hui un petit tour sur le matériel. Donc ça c'est la maison. Je vais vous montrer. Pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut. Enfin, ce qu'il faut. Voilà ma salle. Alors, une Smith Machine est barre guidée. Pour la sécurité, pour travailler un peu plus lourd, puis moi qui ai mal aux genoux, etc., pour faire des squats, c'est pas trop mal. Des haltères, classiques. Poulie basse, poulie haute, pour le dos. Un rowing perso. Des élastiques. La musique. Parce que faut se motiver. Une barre Z, une barre à triceps. Ça. Je vous mets un peu de musique pour se motiver. Puis voilà, au niveau des la barre à dorsaux que j'ai acheté, super. Voilà, et puis là, bah, c'est pour se motiver. Donc voilà, et puis après, là il y a mon maître spirituel qui me regarde bienveillant en disant c'est bien, t'as bien bossé. Puis là c'est quand il est en colère. Oui, que sinon il n'est pas content. Voilà, le truc à moustique, parce qu'ici il y en a. Alors les glaces, c'est pas narcissique, hein. C'est. Bah, c'est pour se motiver déjà et puis pour se voir dans la glace, pour bien travailler et puis voir bien cibler le muscle qui travaille. Voilà. Sergio, ouais, ici Genova. Donc voilà, un ventilateur, c'était pour vous montrer le matériel. Celle-là, c'est super. Travailler les triceps, les biceps. Moi qui ai mal au poignet, qui ai le poignet de gonzesse, ça c'est bien parce que vous travaillez en prise neutre et ça fait pas mal au poignet, vous travaillez plus lourd. Puis voilà, bon, et puis plein de petits poids. J'ai fait des erreurs, c'est de prendre des poids de 20 kg. Le mieux, acheter des poids de 10, poids de 10, poids de 5 et poids de 2,5 kg. C'est bien. Comme ça, quand vous chargez, vous travaillez en pyramide, vous mettez les poids de 5 kg, donc ça fait 10 kg de chaque côté, ça fait 10 kg, et puis vous montez, et quand ça commence à devenir dur, bah, vous passez à 2,5 kg de chaque côté, donc vous montez de 5 en 5. Bon, après, vous pouvez avoir des poids d'un kilo, mais là, on commence à se pignoler. Ok? Voilà, bah c'était pour vous montrer la salle de fitness de mon coach à l'œil. Je vous souhaite un bon week-end. Bye bye!